Alors je crois que le record qu'on ait battu ici, c'était deux doubles poneys qu'on a emmenés jusqu'à 38 ans. C'est la seconde vie et c'est leur dernière maison puisqu'on ne replace pas d'animaux, donc tous vont un jour décéder chez nous, bien sûr. Tous les chevaux ont un cursus extrêmement différent, donc la majorité sont quand même extrêmement âgés, c'est pour ça qu'on s'appelle EHPAD Écousse. Donc il y a des saisies judiciaires, donc pour mauvais traitement, il y a des chevaux abandonnés en direct par les particuliers ou les centres équestres ou les éleveurs. Il y a des chevaux qui n'ont pas eu vraiment de souffrance mais qui souffrent d'un handicap, ce qui fait qu'ils n'auraient pas pu être montés ou avoir une carrière sportive. Ah bah, nos chevaux de toute façon sont tous des très vieux animaux, donc voilà, ils sont dans un mode de vie extrêmement tranquille, voilà. Malheureusement, nous avons beaucoup de chevaux malades, donc c'est beaucoup de souffrance aussi pour nous, moralement, de ne pas arriver à faire mieux, à faire plus, parce que des fois, la limite de la médecine vétérinaire est là, et puis malheureusement, faire face à des décès de manière régulière. Alors ce petit poney s'appelle Tout Noir, c'est un petit Shetland qui n'est pas castré. Donc en fait on a eu un signalement assez inquiétant au mois d'octobre sur une vingtaine d'animaux, donc des poneys, des ânes, des chevaux, des chats, des chiens, il y avait aussi des oiseaux. Voilà, dans des circonstances, enfin des conditions de vie qui étaient mais inacceptables. Donc on s'est mis avec d'autres associations, dont la Fondation Bardot, pour faire le sauvetage commun de tous ces animaux. Et donc nous avons récupéré plusieurs animaux, dont ce petit poney. Là, il comprend pas, il comprend, j'arrête, et tout de suite, il vient se reconnecter vers l'être humain. Parce qu'avant, il nous cassait un licol tous les jours. C'était un cheval qui était dans un camion pour la boucherie, donc ils avaient mis les mâles, les femelles, les petits poulains, bon, en vrac, et ce camion s'est fait intercepter par la gendarmerie. Donc voilà, pas mal de chevaux ont dû être abattus sur place dans le camion, et lui, il a eu la chance de survivre. Et le problème, c'est qu'un cheval a une mémoire extraordinaire, donc tout ce qu'il a appris, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, ça reste dans le disque dur, et que c'est très compliqué de leur faire passer ces problèmes de comportement, ou de violence, ou d'agressivité envers l'homme, ou envers d'autres congénères. Donc il faut complètement casser les codes établis et recréer d'autres codes pour partir sur du neuf. Mais nous aussi, on a nos problèmes d'apprentissage et souvent, on recommet les mêmes erreurs. Donc il faut se poser beaucoup de questions et passer beaucoup de temps. Donc voilà, c'est une jument qui a eu en fait une lymphangite, donc qui n'a peut-être pas été soignée assez rapidement. Donc en fait, nos vétérinaires l'ont pris en charge et ont diagnostiqué un staphylocoque doré. Donc voilà, elle a donc une douche de son postérieur au quotidien, et puis bon, évidemment des médicaments, des soins et des choses comme ça. Donc elle vit malgré la grosseur de sa jambe extrêmement bien. Elle ne boite pas, elle trotte et elle galope même, c'est surprenant, mais comme quoi, elle a su s'adapter à ce handicap. Je pense que ça n'a pas de prix de les voir bien, de les voir mieux, de tout le travail qu'on fait en collaboration avec nos maréchaux ferrants, avec nos vétos, avec le dentiste, de voir qu'il y a, oui, qu'ils revivent, et physiquement et moralement. C'est lié souvent, c'est comme chez nous.